monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter les articles que j'ai choisis sur la boutique 4 en scrap. Donc, ça fait pas très longtemps que je fais partie de leur DT, c'est la deuxième collaboration avec eux. Donc, souvenez-vous, lors de la première collaboration, je vous avais fait deux vidéos. Donc, la première, c'était pour vous présenter la boutique et vous faire le tutoriel de la slider card, donc la carte coulissante. Donc, j'avais notamment utilisé la planche de tampon avec les dies assortis de la collection Mon Petit Lapin. Et la deuxième vidéo, c'était pour vous montrer la conception d'un mini-album avec une page 30-30. Donc, je sais que les deux vidéos vous avez énormément plu. Donc, je vous remettrai dans le petit information qui est juste là le lien pour avoir accès à ces vidéos si vous ne les aviez pas vues. Et donc là, pour cette deuxième collaboration, j'ai choisi un thème totalement différent. Il y a un article, je pense que ça pourra en intéresser plus d'une. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de vous le présenter et de travailler avec. Et je vous mettrai donc, comme d'habitude, tous les liens en barre d'information pour avoir accès directement à tout ce que je vais vous présenter là. Voilà, donc le colis n'est pas ouvert. Je vais l'ouvrir avec vous comme ça. Ben, je ne triche pas et vous savez ben, comment ça se présente. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de favoritisme. Tous leurs colis sont vraiment très, très bien emballés, bien protégés. Et les envois sont très, très rapides. Donc, c'est vraiment un gros point positif pour leur boutique. Voilà, donc c'est parti. Je tire sur l'ouverture facile. Et je vais vous présenter tout ce que j'ai choisi. Alors, donc comme d'habitude, ça se présente comme ça, avec un petit paquet qui est emballé avec du papier de soie rose. Hop, je mets ça du côté. Donc, on a le petit sticker 4 en scrap avec toutes les, avec le lien du site internet. Hop là. Et donc là, je vais vous présenter donc ce que j'ai choisi. Je ne vais pas tout vous montrer. Alors, donc là, merci pour votre précieuse collaboration. Amusez-vous bien avec ces produits qui invitent à la détente. Bon, scrap Manon. Merci Manon. Hop. Alors, donc je vais poser ça sur le côté. Et je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Hop là. Alors, donc ça, je vous le montrerai un peu plus tard. Donc là, pareil, comme pour la première fois, j'ai choisi donc une collection de tampons. Donc, ça fait partie des nouveautés. Une collection de tampons très estivale avec les dies assortis. Enfin, du moins, il y en a deux. Donc, la planche de tampons, c'est celle-ci. Donc, la collection sur ma terrasse. Donc, c'est les tampons numéro 275. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Donc là, en fait, c'est vraiment très estival. Vous avez pas mal de plantes vertes, donc ça tombe bien vu que moi j'adore les plantes vertes, donc je vais pouvoir m'éclater avec, avec cette planche là. Donc vous avez les fauteuils suspendus, les petites tables basses, on a le cocktail, voilà ce joli fauteuil, on a des poufs, des bougies, cactus, des suspensions, enfin bref, il y a de quoi faire vraiment une très très belle création et j'ai déjà une idée de ce que je vais faire. Voilà, donc ça c'est pour la planche de tampon, donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc, elles sont toujours emballées dans des petites pochettes en papier. Voilà. Donc, voilà les tampons. Je ne sais pas si on nous dit exactement combien il y en a. Donc, vous en avez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous avez 18 tampons. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, ça reprend tous les modèles qui sont juste là. Voilà. Donc, là, on fera une création en utilisant ces tampons-là. Ensuite, donc, vous avez les dies assortis donc, pour les fauteuils. Donc, vous avez celui-ci qui représentera celui-ci. Je remets sur fond blanc. Donc, voilà. Et ensuite, on a le deuxième qui représente celui-ci avec le petit coussin. C'est juste là. Voilà. Donc, là, pareil, je vais l'ouvrir avec vous. Également présenté dans des petites pochettes en papier. Et donc voilà les dies fauteuils. Voilà, donc ça, c'est la première collection donc, que j'ai choisie donc, sur ma terrasse. Voilà, si ça, ça sent pas l'été, j'y comprends plus rien et j'ai déjà une idée de ce qu'on va faire avec. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai choisi. Ensuite, donc, je vais vous montrer les papiers également. Donc, qui dit été, nature, fleurs, forcément, il y a du vert. Hop. Donc, ce sont des feuilles 30-30. Donc, vous voyez, c'est bien emballé, bien protégé. Alors, nous avons une feuille unie. Donc, vous avez un côté qui est lisse, donc couleur verte.
pour la feuille. Donc vous avez un côté qui est lisse et vous avez l'autre qui est un petit peu texturé. Voilà, donc c'est vraiment du papier de bonne qualité. Ensuite, on a celui-ci. Donc là, c'est la collection été 2021. Voilà, alors sur cette face-là, vous avez du feuillage en fait. Vous voyez, vous pouvez très bien marier les deux. Les deux vont très très bien ensemble. De l'autre côté, voilà, ça se présente comme ça. Donc vous avez des espèces de petites marbrures comme ça avec un fond cactus. Je pense que ça doit être ça. Regardez. Oui, ça doit être ça parce que là, vous voyez sur la petite bande qui est juste en bas, on peut apercevoir donc des cactus. Donc je pense que ça doit être ça. Vraiment très très sympa. Et ensuite, donc la dernière feuille, donc c'est aussi la collection été 2021. Donc là, on a un fond avec des mots. Donc Instant Zen, Be Cool, In Life, Sérénité, Carpe Diem, etc. Avec des petites taches par-ci, par-là. Super sympa également. Donc le fond est blanc et s'écrit en marron. Donc ça fait vraiment style écriture, comment je pourrais dire, machine à écrire. Voilà, donc ça c'est pour le côté là. Et le deuxième, je sais pas, c'est assez, j'aime bien, hypnotisant on va dire. Je sais pas ce que c'est censé représenter. Donc là en bas, on peut voir sur la petite frise des, vous savez, les petites lanternes qu'on accroche dehors en général. Donc je sais pas si c'est un rapport ou pas avec le motif de la feuille, mais en tout cas c'est super sympa. Donc je pense que les, voilà, les trois feuilles ensemble, on va pouvoir faire quelque chose de super chouette. Voilà, donc ça c'est pour les feuilles 30-30. Et ensuite, alors ça je suis super contente de pouvoir le tester. Donc en fait c'est le tampon miroir. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors en fait c'est une espèce de, donc là aussi c'est présenté dans une pochette en plastique, en papier pardon. Alors je vais l'ouvrir avec vous. Alors moi j'avais trouvé une astuce pour pouvoir faire, donc en fait c'est pour pouvoir faire un tampon inversé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc par exemple, je vais prendre l'exemple de ce fauteuil là. Donc vous voyez, on a l'impression qu'en fait l'ouverture pour l'assise se fait par la gauche. Donc en fait là, avec cet outil là, enfin c'est pas un outil mais on va l'appeler comme ça, donc avec ça on va pouvoir en fait faire le tampon inversé et retrouver donc l'ouverture de l'assise par la droite. Donc on va pouvoir, vous voyez, faire un face à face avec les fauteuils en utilisant donc le tampon miroir. Donc moi j'avais trouvé une astuce avec un tapis silicone et honnêtement, donc si les tampons sont assez, comment on va dire, assez grossiers, si ça passe. Mais par contre, lorsque vous avez des tampons avec des choses qui sont vraiment assez fines, donc comme là vous voyez, on a les petites rayures du fauteuil. Donc là, avec mon système à moi, ça ne va pas, ça va baver, ça ne fera pas joli. Donc là, je vais vous montrer donc comment on l'utilise. Donc en fait, ça se présente comme ça. Et il va vous falloir par contre automatiquement une presse à tampons pour l'utiliser. Donc je sais qu'on en trouve quand même pas mal partout. Donc moi, je vais utiliser celle que j'ai de Tim Holtz. Mais voilà, il vous faudra simplement une presse à tampons pour pouvoir faire donc l'effet miroir sur un tampon de votre choix. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai choisi. Hop. Donc le tampon miroir. La collection sur ma terrasse avec les dies fauteuil assortis et donc les trois feuilles 30-30. Voilà, donc là, comme je vous l'ai dit, je vous mets tous les liens en barre d'informations pour retrouver tous ces articles. Et là, on va se retrouver juste après. Je vais vous montrer donc comment utiliser ce tampon miroir. Et ensuite, donc je ferai une deuxième vidéo pour faire une création en utilisant donc tout ce que j'ai reçu. Voilà, donc à tout de suite pour l'utilisation de cet outil-là. Voilà, donc là on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo dans laquelle je vais vous montrer donc comment utiliser ce tampon miroir. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il vous faut une presse à tampon. Alors je vais vous montrer comment on procède. Donc là, alors, hop, donc je prends mon tampon miroir. Donc on pourra remarquer qu'en fait vous avez, donc c'est en fait une plaque qui fait donc 14,5 sur 10 cm. Donc ça va, ça vous laisse quand même une belle marge pour faire de jolies créations. Donc vous avez un côté où en fait vous avez la protection qui est transparente et l'autre où la protection est noire. Voilà, donc c'est un repère pour vous. Alors la partie transparente, donc là je vais la retirer. Hop. Et donc là je vais faire adhérer mon tampon miroir sur ma presse.
Voilà. Et ensuite, donc la partie noire, je la retire également. Et c'est donc la partie où il va y avoir le tamponnage. Voilà. Ensuite, donc là, je vais utiliser le fauteuil là pour vous montrer donc comment procéder. Donc je vais prendre ce tampon là. Par contre, donc moi, comme je vous ai dit, j'ai la presse Tim Holtz. Voilà, cette plaque transparente et amovible. Pourquoi? Parce que vous avez un côté pour les tampons clear et un autre côté pour les tampons mousse. Donc lorsque je vais utiliser le tampon miroir, vu qu'il y a une épaisseur, il faut que j'utilise le côté tampon mousse. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Ensuite, donc mon tampon, je le positionne sur le tampon miroir. Hop là. Voilà, je le fais adhérer au côté transparent de la presse. Ensuite, donc là, je vais utiliser la Memento parce que je trouve que c'est l'encre qui s'y prête le mieux pour faire les créations avec le tampon miroir. Voilà, donc là, je mets mon encre sur le tampon, je tamponne. Je vais en remettre peut-être un petit peu parce que je crois que j'en ai pas assez mis. Hop. Voilà, donc vous tamponnez sur votre tampon miroir. Et ensuite, j'espère que c'est bon. Je pense que ça doit être bon. Ensuite, donc je prends une feuille de papier. Donc là aussi, faites attention à ne pas faire bouger votre feuille, sinon ben, vous allez avoir un décalage et ça va baver au niveau de votre tampon. Donc moi, ce que je fais, voilà, je ne fais pas adhérer la partie droite tout de suite. J'appuie d'abord sur le côté gauche. Je mets ma main de façon à ce que la feuille ne bouge plus. Voilà, ensuite je la descends et après vous faites des petits mouvements circulaires pour que l'encre vienne adhérer au morceau de papier. Donc là c'est simplement un test, hein. Comme je vous ai dit, on fera une autre vidéo avec des créations. Mais là c'est vraiment pour vous montrer comment on l'utilise. Hein. Voilà, une fois que c'est bon, hop, je retire mon papier et on a le tamponnage qui est sur notre feuille. C'est top. Voilà, donc ça c'est la première partie. Alors, donc là en fait vous avez l'effet miroir qui se retrouve sur la feuille. Donc je vais nettoyer mon tampon miroir ainsi que mon tampon fauteuil. Hop, voilà, donc là je vais le retirer. Donc je remets bien le côté noir ici pour ne pas me tromper après. Voilà, je remets le côté transparent. Hop. Ensuite, donc là, je vais mettre ma feuille. Je vais prendre mon tampon clear. Je vais le positionner là où je le souhaite. Donc pour faire le face à face. Voilà. On va dire comme ça. Ensuite, donc là, ma plaque, je la mets sur le côté tampon clear, vu que je n'ai plus l'épaisseur du tampon miroir. Je fais adhérer mon tampon. Je remets de l'encre. Et je tamponne. Et voilà, vous vous retrouvez donc avec les deux tampons face à face. Franchement, c'est vraiment top. Je suis hyper contente parce que ça offre bah, du coup vraiment plein de possibilités pour les créations. Ouais, j'adore. C'est vraiment top. Voilà, donc ça, c'est une première utilisation. Et ensuite, donc je vais vous montrer parce que en fait, avec les dies, vous allez pouvoir faire exactement la même chose. Vous allez pouvoir faire les découpes, ben, soit celle-ci ou soit celle-ci. Donc, je vais vous montrer comment faire. Bon, pour celle-ci, je pense que vous aurez compris. Hein. Alors, attendez. Hop. On va déjà prendre. On va prendre le fauteuil là. Comme ça, ça me donnera l'occasion de tester. Ah mince, où c'est que j'ai mis? Ah là. Ça me donnera l'occasion de tester le die fauteuil. Alors, il se trouve là. Voilà. Ah non, ça j'en ai encore besoin. Donc, je vais laisser ça là. Alors, hop. Donc là, on va faire la découpe. Donc là, je positionne le dice correctement. Voilà.
Ensuite, donc, je fais la découpe. Ouais, ça coupe super bien. Donc voilà ce que ça donne. Et donc là, on va faire la découpe inversée. Donc je vais vous montrer comment procéder. Hop. Donc ça, pour l'instant, j'enlève, je mets de côté, je le reprendrai juste après. Donc là, on reprend notre presse à tampons. Hop. On va récupérer le tampon miroir. Voilà. Hop, alors, donc là, je fais comme ça. Donc, je vais mettre de l'encre sur mon petit fauteuil. Tac. Voilà, donc là, on se retrouve, je vais remettre une couche. Avec le tamponnage, donc sur le tampon miroir, hop, voilà, donc là, je prends une feuille, donc hop, je mets ma feuille dessus, ensuite, donc je fais des mouvements circulaires pour faire adhérer l'encre sur ma feuille, je la laisse en position sur mon tampon miroir, je retamponne mon fauteuil, enfin, je remets de l'encre plutôt sur mon fauteuil. Et donc là, je viens tamponner sur ma feuille. Voilà, comme ceci. Donc, je retire mon papier. Donc, ce qui fait que je me retrouve avec le fauteuil de chaque côté. Donc là, il est vraiment positionné pile poil exactement au même endroit. Et donc là, vous l'aurez compris, on va utiliser en fait le dies pour découper ici. Et comme j'ai tamponné de l'autre côté... Voilà, on aura les deux. Donc, c'est ça qui est top aussi. Si vous ne voulez pas juste avoir le tamponnage, si vous voulez également avoir les découpes, c'est possible en procédant de la manière dont je viens de vous montrer. Alors, je remets tout ça en place. Hop. Voilà. Non, c'est là. Je m'en mêle les pinceaux avec les pochettes. Hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et ensuite, donc comme je vous l'ai dit, on va faire la découpe. Donc là, je reprends ma petite machine de découpe. Hop. C'est un chouïa trop grand, donc j'ai coupé. Voilà. Donc, je repositionne mon dies. Au niveau du fauteuil et ensuite donc je fais ma découpe. Voilà, et du coup vous avez l'autre côté, donc ce qui se fait que vous vous retrouvez avec donc les découpes donc exactement les mêmes d'un côté comme de l'autre. C'est ça qui est top. Donc, ça va vraiment vous offrir beaucoup de possibilités au niveau des créations. C'est génial. Je sais, bah, comme je vous l'ai dit, hein, j'avais une astuce avec un tapis en silicone, mais ça marchait pas franchement bien. C'était quand même assez, assez grossier après au niveau du tamponnage lorsque je mettais une feuille. Bon, c'était une astuce comme une autre, mais bon, pour les tampons pleins, ça marchait bien. Pour les tampons fins comme ça, c'était une catastrophe. Donc là, non, franchement, c'est vraiment de bonne qualité. Vous voyez, j'ai utilisé quand même un tampon avec des petits éléments et... Franchement, c'est top. C'est vraiment top. Je suis hyper contente de ce produit. Voilà, bah écoutez, je pense vous avoir donc montré les différentes possibilités pour ce tampon miroir. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou que vous aimeriez peut-être que je vous réexplique, je ne sais pas. Mais voilà, il n'y a rien de sorcier. Ça se fait tout seul. C'est hyper facile à manier, à utiliser. C'est ouais, vraiment top. De toute façon, je vous remontrerai comment l'utiliser lors de la prochaine vidéo où je ferai une création en utilisant donc des petits éléments de la collection de tampons sur ma terrasse. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les liens en barre d'informations. Et puis en attendant la prochaine vidéo création, portez-vous bien surtout, plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao !